chanter ce cantique parce que j'ai fait une expérience. Amen. J'ai fait une expérience. Amen. C'est de goûter combien il est bon. Amen. Je me tiens devant vous, moi, frère Jean-Claude, moi que vous connaissez très bien. Pardonnez. Amen. J'ai péché. Et ça, c'est ce qui est là, qui est visible. Mais j'étais pardonné. Amen. Et ça, vous pouvez ne pas le croire. Mais je le vis. C'est une expérience. Amen. Combien il est bon. Amen. Et je peux me tenir du haut de la chair. Amen. Et le prêcher. Amen. Dire à chaque pécheur. Amen. Dieu pardonne. Amen. Ça, je l'ai vécu. Amen. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Alors, quand la parole d'introduction parle de que le pécheur abandonne sa voix, amen. Ce ne sont pas des mots, ce n'est pas un papier. C'est une expérience. Amen. Et j'ai envie de la communiquer à qui voudrait. Amen. Amen. Si tu es pécheur dans cette salle, si tu te reconnais pécheur, pas si quelqu'un dit de toi que tu as péché. Oubliez ça, oubliez. Le témoignage des hommes, je n'en ai pas besoin. Oubliez-le. Mais si toi, dans ton cœur, tu reconnais que tu es pécheur, alors laisse-moi t'ajouter ceci. L'homme d'iniquité, si tu reconnais que tu as des pensées d'iniquité, que tu as des paroles d'iniquité, que tu as des actes d'iniquité, oh, retourne à l'Éternel. Amen. Ne reste pas dans ton iniquité. Amen. Ne reste pas dans ton péché. Amen. Retourne à l'Éternel. Amen. À notre Dieu. Amen. Je me mets moi-même avec toi là-dedans. Amen. Je ne suis pas là pour pointer. Je ne suis pas là pour montrer du doigt. Je suis là pour t'inviter. Viens, viens, viens. Retournons. Amen. Il est notre Dieu. Amen. Autant il est mon Dieu. Amen. Je ne le garde pas pour moi. Ça, c'est ma veste. Tu en as une aussi. Mais mon Dieu, il n'est pas à moi tout seul. Qui a suivi les dernières prédications de notre frère Franck? Je crois que c'était samedi. Peut-être. Bref. Il disait, ce que nous croyons pour nous, nous le croyons pour tout le monde. Amen. Amen. Vous avez suivi ça ou pas? Oui. Que Dieu te bénisse, mon frère Cassel. S'il a pardonné mes péchés, il pardonnera les tiens. Amen. Amen. S'il m'a montré la voie du salut, amen. Il doit te la montrer aussi. Amen. Nous ne gardons pas la parole pour nous, la révélation pour nous. Non, nous, les promesses de Dieu, elles sont pour nous tous. Amen. Je crois que c'est le... Je ne sais plus, la dernière fois, quand j'étais ici, j'ai dit un baptême du Saint-Esprit dans ta chambre. Frère Claude, tu sais combien je t'aime, mon frère. Frère Claude, si tu reviens en train de me dire, pour obtenir le baptême, je suis resté dans ma chambre. Je dis, ok, ça c'est le tien. C'est ton baptême. Mais le baptême du Saint-Esprit d'acte 2, qui est écrit ici, ils ont fait l'expérience ensemble. Amen. Le croyez-vous? Amen. En tout cas, moi, je lis.
Et nous lirons, ils étaient rassemblés. Tu peux prier dans ta chambre. Je ne dis pas que tu ne dois pas demander au Seigneur dans ta chambre. Mais quand tu auras demandé, le Seigneur pour te répondre, il te rassemblera. Il doit accomplir sa promesse. Lisons. Actes au chapitre 2. Actes au chapitre 2. Le jour, verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Déchirez cette page. Si vous croyez que votre baptême à vous du Saint-Esprit, vous pouvez l'avoir dans votre chambre, accouchée, enfermée. Oui, priez. Mais moi, je crois l'Écriture. Amen. Au verset 4. Et ça, excusez-moi de le forcer, mais c'est pour que ça nous pénètre, que nous lisions ensemble. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 7. Non, passons, nous sommes déjà... Je m'arrête là parce que si je continue, on ne va pas. On va sortir de ce sujet. Au verset 32. Pardon. J'ai dit acte 2. Je suis au verset 39. Pardon. Acte 2. Verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. 42. Ils persévéraient dans l'enseignement. Je suis déjà au verset 46, voilà le verset que je cherchais. Verset 46, ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Frère Kaké, c'est dit encore amen. Amen. Ils étaient tous ensemble, assidus au temple. Amen. Ils rompaient le pain dans les maisons. Amen. Prenaient la nourriture avec joie et simplicité. 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Amen. Amen. Parlons de la Pentecôte. Les hommes célèbrent aujourd'hui la Pentecôte. C'est devenu une date anniversaire. Je vais avoir le... Je ne fais pas de publicité. À la fin du mois, le 31 de ce mois, je vais avoir 60 ans. Mes amis, 60 ans. À la fin de ce mois, c'est une date d'anniversaire. L'homme a l'habitude de célébrer son mariage, son enfant, etc., etc. C'est très bien. Et même l'État, la nation, fait l'indépendance. Bref, voilà.
l'homme fête, célèbre des événements qui ont déjà eu lieu dans le passé, mais il continue de les célébrer. Et même, il érige peut-être un monument ici en Belgique. J'en parle parce qu'au Congo, on l'a fait pour la première fois cette année. Si vous allez, enfin, il y a un endroit ici près de le monument du soldat. C'est à Saint-Joseph ou quelque part ici. Monument du soldat inconnu. Oui, l'homme célèbre jusque même, on célèbre l'anniversaire des soldats morts à la guerre, tombés pour la cause de la nation. L'homme célèbre n'importe, l'homme continue de célébrer. Et le monde chrétien à son tour, puisqu'il les montre quand même, il se souvient, c'est bien de se souvenir, de la naissance de Jésus. Noël. Jésus est déjà né, il y a longtemps, il est né. Mais l'homme a fixé une date, il dit, ah, désormais, le 24 décembre, ou 25 décembre, je ne sais plus, il fête la Noël. Et puis, la Pentecôte, la Pâque. L'homme célèbre ça. C'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est d'en faire l'expérience. Amen. 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 Parce que Jésus-Christ qui est né à Bethléem continue de naître dans les cœurs des hommes. Amen. Aujourd'hui. Amen. Et entre celui qui a eu l'expérience de la naissance de Jésus et celui qui fête l'anniversaire, Noël. Ah oui, mon frère Ephrem est à la technique, alors je peux demander que tu cherches rapidement quelques citations. Je crois que j'en ai une dans les âges de l'Église. Dans les âges de l'Église, j'ai une citation que j'aurais voulu afficher. C'est pas grave. Ah, voilà le papier, pardon. Par rapport aux anniversaires et par rapport à la Pentecôte, les hommes fêtent, mais Dieu lui cherche. Amen. Ceux qui aspirent. Amen. Pas la fête, mais qui veulent expérimenter. Amen. Qui veulent expérimenter la Pentecôte. Amen. Dieu n'a pas promis, je déverserai mon esprit sur tous ceux qui célébreront la Pentecôte. Non, il a dit, je déverserai mon esprit sur toute chair. Amen. 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 Disons s'il vous plaît, Ésaïe au chapitre 40. Ésaïe au chapitre 40. Dieu dit, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Amen. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui. Amen. Que sa servitude est finie. Amen. Que son iniquité est expié. Amen.
qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double Amen. De tous ses péchés. Amen. 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 Verset 6, une voix crie. Que crierai-je? Tout chéri comme l'herbe. Amen. Et tout son éclat comme la fleur des champs. Amen. Amen. L'herbe sèche. Amen. La fleur tombe. Amen. Quand le vent de l'Éternel souffle dessus, certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, Amen. Mais Amen. La parole de notre Dieu Amen. Subsiste éternellement. Amen. 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 Un pied. Au chapitre 1, puisque nous aimons la parole Amen. De Dieu, Amen. Je fais exprès de commencer au verset 8. Vous l'aimez Amen. Sans l'avoir vu. Amen. Vous croyez en lui Amen. Sans le voir encore. Amen. Vous réjouissant d'une joie Amen. Merveilleuse et glorieuse. Amen. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes Amen. Pour prix de votre foi. Amen. Je saute. Je suis déjà au verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Amen. Amen. Pour avoir un amour fraternel sincère. Amen. Amen. Aimez-vous ardemment Amen. Les uns les autres de tout votre cœur. Amen. Amen. Puisque vous avez été régénérés, Amen. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Amen. Amen. Par la parole vivante et Amen. Permanente de Dieu. Amen. Car toute chair est comme l'herbe. Amen. Toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Amen. L'herbe sèche. Amen. Et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Qui nous accorde l'expérience de la Pentecôte. Amen. Pas la fête, Amen. Pas la célébration, c'est bien. Amen. C'est bien de se réchauffer. La citation que je cherchais, Frère Branham parle de à quoi servirait d'amener Frère Claude devant un tableau de feu. Vous voyez, le feu des flammes. Alors que Frère Claude a froid. Il a froid. Et moi, je le conduis. Viens, frère, viens, viens. Regarde ce tableau, frère. Regarde. Même si, psychologiquement parlant, ça peut lui donner beaucoup de zèle. Et il peut se décider de travailler, de chercher à se couvrir. Mais il a froid. Le tableau peut-il le couvrir? Le tableau peut-il le réchauffer? À quoi sert-il de dire aux gens, dire aux croyants, dire aux chrétiens, il est ressuscité, il est vivant, il est, si eux ne font pas l'expérience. Amen.
Amen. Nous sommes ici ce matin, pas pour regarder le nombre. Nous sommes ici pour que, intérieurement, chacun, ai-je le Saint-Esprit ou je ne l'ai pas? Si je ne l'ai pas, Seigneur, d'abord, quelles sont les conditions pour l'obtenir? Alors, nous, excusez-moi, je m'arrête là, on va continuer. Allons dans Actes, parce que ça, c'est le Seigneur qui me l'a rappelé, frère Ephraim. Je crois que c'est Actes 5. Voilà, Actes 5. Parce que si on en reste simplement la promesse, c'est bien. Mais ajoutons Acte 5, verset 32. Nous sommes témoins. Amen. De ces choses. Amen. De même que le Saint-Esprit que Dieu donne ou a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. 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 Pourquoi il n'y a que quelqu'un qui dit Amen ici? Non, les autres n'obéissent pas. Alors nous allons, pardonnez-moi, hein? Je vous aime. Nous relisons ensemble et nous disons Amen. Amen. Lisons à haute voix. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Amen. Dieu a entendu. Satan aussi a entendu. Ceux qui voulaient rester seulement sur les promesses sans obéissance, ils ont aussi entendu. Amen. Amen. Le souvenir de la Pentecôte est important. Frère Branham a prêché un sermon intitulé « Les temps mémoriaux ». Les mémoriaux indestructibles. Quand vous venez dans un pays, Elisha était au Sénégal, elle est allée voir l'île de Gorée. Vous connaissez tous l'histoire des esclavages des Noirs. Elle est allée pour aller voir ça. Elle est revenue ici. Elle a beaucoup de... parce qu'elle est allée voir. Mais il n'y a plus d'esclavage. Ce sont des souvenirs. Quand vous venez en Belgique, si on ne vous amène pas à l'atomium, et au soldat inconnu, on vous amènera. Il faut montrer les souvenirs. C'est bien, c'est important. Mais l'expérience est mieux qu'un souvenir. Amen. Amen. Et la Pentecôte, ce que Dieu promet, ce n'est pas... qu'il continuera de rappeler aux gens qu'il avait eu une Pentecôte. Ça, c'est bien, c'est chrétien, c'est important. Mais le Seigneur lui promet qu'il restera avec nous jusqu'à la consommation des temps. Amen. Continuons de baptiser du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, mes amis, mes sœurs et mes frères, as-tu été baptisé du Saint-Esprit? Amen. Quand tu as cru, et depuis que tu as cru jusqu'à aujourd'hui, as-tu été baptisé du Saint-Esprit? Amen. Si tu ne l'es pas encore, il n'y a pas de quoi avoir honte. Et n'en fais pas un problème personnel. Amen. C'est notre problème à tous. Amen. Nous sommes ici pour réclamer. Amen. À Dieu, j'aime bien très pourvu qu'il puisse ce terme. Et je l'ai trouvé par rapport au gabarit de Frère Bovic, c'est bon. C'est comme ça, moi, je garde certaines choses. Vous voyez Frère Bovic comment il est? Il dit, nous revendiquons.
Vous avez déjà entendu ça ou pas? Qui a entendu revendiquer? Levez les mains si vous avez entendu. Ah, j'aime ça. Vous savez pourquoi j'aime? Je vais vous le dire. Quand on n'a pas la révélation de qui est Dieu, on s'adresse à lui comme un gamin de course. On s'adresse à Dieu comme un petit frère. Le petit du quartier, là. Donne-moi! Fais! Dieu est Dieu. Amen. Il est même Seigneur. Amen. Il est le... Combien de fois nous chantons ici, roi des rois. Tout le monde s'incline devant lui. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Mais quand tu revendiques, c'est normal, c'est ton droit, frère Claude. Tu es poli. Va en justice, revendiquer ton droit. Tu ne casses pas la baraque. Tu ne mets pas le feu. Tu amènes les preuves. C'est à moi, j'ai acheté. C'est tout. Et le reste, la justice se met en place. Alors, revendiquons notre droit. Amen. Le Saint-Esprit nous a été donné. Amen. C'est à nous. Amen. Ma soeur, même si tu as l'atout, tu as des problèmes de santé, mais c'est ton droit. Amen. Il reste ton droit. Malgré les problèmes de santé, tu peux même dire au Seigneur, tu me guériras après. Ça, ce n'est pas un problème. Mais mon droit, Amen. Donne-le-moi. C'est à moi. Amen. C'est à moi. Amen. C'est mon droit. Amen. Qui est d'accord avec moi de revendiquer aujourd'hui? Amen. Alléluia. Dieu nous conduit. Amen. D'une manière ou d'une autre, Amen. Sa parole nous éclaire. Amen. Et même, je revendique, peut-être que je crie, peut-être que je chante, peut-être même que je le fais. Vous savez, dans l'évangile, il y a une prière, c'est la maman, Anne, la maman de Samuel, elle était dans le temple, elle priait, le sacrificateur est passé, avec toute la connaissance de l'évangile, pas de l'évangile, de la parole, il dit, cette femme doit être ivre de vin. Et vous savez comment il s'est adressé à elle? Il ne dit pas, réveille-toi, il dit, fais passer ton vin. Non, je vais lire pour que ça ne soit pas des commentaires. Anne, c'est un Samuel, n'est-ce pas? Un Samuel... Dieu est terrible dans sa manière d'agir. Amen. 1 Samuel. Oh, pardon. Je suis dans 2. 1 Samuel. La prière d'Anne. Un Samuel, et nous sommes au chapitre 1 Samuel, chapitre 1. Et je suis au verset 9. Alors, je lis. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, Amen. Si tu te souviens de moi, Amen. Et n'oublie pas ta servante, Amen. Si tu donnes à ta servante un fils,
je le consacrerai à l'Éternel pour Amen. Tous les jours de sa vie. Amen. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Alors, lisons ensemble le verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Tout sacrificateur qu'il était, il ne pouvait pas entendre la profondeur de l'âme. Mais il regardait la bouche. Il dit, mais... Bon, je lis le verset 13. Anne parlait dans son cœur. Amen. Et ne faisait que remuer les lèvres. Amen. Mais on n'entendait pas sa voix. Amen. Alors, Élie pensa qu'elle était ivre. Combien de fois les sacrificateurs d'antan, mais ceux d'aujourd'hui aussi, peuvent-ils se tromper sur le peuple de Dieu? Il pensait qu'elle est ivre. Comment c'est? Je n'entends rien. Cette l'ivresse. Alors écoutez la suite. Il lui dit, jusque quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Donc lui lui dit, fais passer ton vin à une personne qui prie. Combien de fois nous nous trompons? Combien de fois nous sommes déphasés? Alors qu'elle était en relation, elle était dans cette assemblée, la Amen. Plus petite assemblée. Amen. Elle était en communication avec son Amen. Dieu, mais lui vient troubler l'assemblée. Il vient déranger. Fais passer ton vin. Il n'est pas un ennemi. Ce n'est pas un incroyant. Il est même conducteur. Il est sacrificateur. Mais il n'a pas compris la dimension de la prière. Amen. Amen. Et pour preuve que Anne était en relation avec l'Éternel, elle ne va pas réagir à la manière dont nous avons déjà parlé, action-réaction. Tomber à toi. Non, c'est pas ça. Non, elle n'est pas dans cette réaction-là. Amen. Non, c'est ton vin que tu m'as donné, que j'ai bu, que nous avons bu ensemble. Non, elle ne va pas réagir comme ça. Non, elle est en contact, Amen. Elle est en communication Amen. Avec le Saint. Amen. Elle est dans là où il n'y a pas de péché, là où il n'y a pas d'iniquité. Amen. Elle est dans l'assemblée, la plus petite assemblée. Elle est avec Dieu. Amen. Alors, le trouble là, vous voyez, des fois nous sommes dans le culte et puis il y a quelque chose qui trouble là. Ayons la bonne réaction. Amen. Hein, mon frère? Ayons la bonne réaction. Amen. Le trouble là, on le met de côté. Amen. Il faut pas. On est en relation avec l'Éternel. Amen. Alors écoutez, Anne, elle dit. Anne répondit, verset 15. Non, mon Seigneur. Amen. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Amen. Je n'ai bu ni vin, ni boisson, ni viande. Amen. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Amen. Amen. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. Amen. Car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'ont fait parler jusqu'à présent. Amen. Mettez un doigt ici et allons nous plonger dans Job. Vous savez que Job, c'est vraiment mon ami. C'est mon frère, mais c'est mon ami. Job au chapitre 5, verset 14, il dit « Celui qui souffre, comme Anne là, celui qui souffre, il a droit
Amen. Il a droit. Amen. À cause de la souffrance, il a droit à la compassion. Amen. Amen. Les entrailles de miséricorde, il a droit. Amen. Celui qui souffre, c'est un droit que Dieu lui donne. Amen. À cause de sa souffrance, aie pitié de lui. Amen. Amen. Il a droit à la compassion. Amen. Maintenant, voici le clou. Et ça, pardonnez-moi d'insister là-dessus, parce que j'ai fait l'expérience. Amen. Même quand il a droit à la compassion, même quand, pourtant il souffre, n'est-ce pas? Même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Déchirez vos Bibles. Amen. Déchirez vos Bibles. C'est écrit. Amen. Quand il souffre, même quand il a abandonné, c'est pas écrit. Quand il a abandonné la crainte du Tout-Puissant, mais comme il souffre, aie pitié de lui. Amen. Je n'interprète pas, je lis. Amen. Donc, frère Jean-Claude prêche qu'on doit tous abandonner la crainte de l'Éternel. Non. Ah, merci ma soeur. Reprends encore. Non, ce n'est pas ce que j'ai prêché. Mais je dis, quand quelqu'un souffre, ne regarde pas qu'il l'a abandonné. Non, non, il souffre. Aie compassion. Amen. Aie compassion. Ne te réjouis pas. Parce que ça, je ne voudrais pas lire, mais ce n'est pas notre sujet. Il y en a qui se réjouissent de la chute de leur frère. Qui se réjouissent. Donc, leur bonheur, leur joie, leur... je ne dois pas ajouter. Bref, leur bonheur, c'est quand Frère Claude est tombé. Donc, là, vous voyez un peu une maman avec un enfant qui marche, ou même, marche pas, mais des enfants qui courent dans la cour, et puis un enfant tombe. Le cœur d'une mère, c'est quoi? Sœur, que tu aies accouché ou non, un enfant tombe. Tu entends le crissement des pneus d'un bus, d'une voiture, et un enfant tombe. La réaction d'une mère, c'est bien fait pour lui. Il apprendra à ne pas courir. Une vraie mère. Elle fait, voilà, quand on disait toujours à l'église, on disait, il faut pas. Voilà, une vraie mère. Si je ne me jette moi, même pas pour empêcher que l'enfant... Frère, il a droit à la compassion. Amen. Quand même il abandonnerait, c'est écrit. Quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Je ne prêche pas d'abandonner la crainte, mais je répète, celui qui souffre a droit à la compassion. Amen. Anne, retournons. Anne, chez Samuel. Ce n'était pas mon sujet, je ne sais pas pourquoi nous y sommes. Le Seigneur, lui, il le sait. Anne remuait les lèvres. Le sacrificateur, lui, était ailleurs. Anne ne dit pas, toi, sacrificateur, tout sacrificateur, tu ne comprends pas que j'étais en train de prier. Non, non, ce n'est pas ça sa réaction. Anne reste correcte. Amen. Amen. Anne reste dans la présence de avec qui elle était en contact. Amen. Elle dit, pardon Élie, c'est pas que j'étais ivre. Hein. Tu as peut-être appris que j'ai fait, que j'ai dit. Tu as des informations, mais ce n'était pas ça. Elle reste correcte. Amen. Et pour finir, verset 18. Non, verset 17. Et il y reprit la parole et dit, va,
en paix. Amen. Amen. Vous voyez, quand on reste correct, le sacrificateur peut se tromper. Le diacre peut se tromper. Le frère, la sœur peut se tromper. J'ai cru, je pensais. Il n'y a pas de problème. Quand on reste correct, tu dis, va en paix. Amen. Amen. Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Amen. Amen. Elle étant correcte, le sacrificateur doit être correct aussi. Amen. Et tout reste dans la direction de Dieu. Amen. Et finalement, le sacrificateur prononçant cette bénédiction, Dieu va exaucer. Amen. Et Anne va obtenir l'enfant. Amen. Vous voyez que des fois, c'est nous-mêmes qui nous mettons les bâtons dans les roues. Restons corrects. Amen. Dans nos réactions. Amen. Se tromper est humain. Humain. Vous savez quand même, le prophète de l'heure, parlant, il s'est trompé une fois. Il voulait dire 300, il dit 3000. Il est humain de commettre des erreurs. Amen. Mais nous ne prêchons pas l'erreur. Non, mais... Nous prêchons la vérité. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et nous accorde l'expérience de la Pentecôte. Amen. Est-ce que nous pouvons chanter? Parce que je vois là. Ce n'était pas mon propos, mais voilà comment tu conduis. Et nous soumettons à son ordre. Amen. Être enfant de Dieu, c'est obéir. Nous l'avons lu, le Saint-Esprit, à ceux qui lui obéissent. Amen. Obéir même dans les petites choses. Amen.